Bonjour à vous, aujourd'hui on est parti sur le 7ème épisode de la 3ème saison du Let's Play de Scrap Mécanique. Et donc j'ai décidé de rendre ce robot un petit peu plus flexible, un petit peu plus maniable, et donc la réponse est évidente, on doit lui rajouter des jetpacks dans le dos. Alors on est parti, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc bien entendu on va devoir faire en sorte que les jetpacks s'activent automatiquement. En tout cas dans cet épisode là on va le faire automatiquement, et dans l'épisode suivant on va rajouter des façons de contrôler le jetpack. Donc vous allez voir, j'ai plein de projets et j'espère que ça va donner des bonnes choses, hein, en tout cas. Alors donc là on a déjà posé les jetpacks, on va les tester à la puissance. Là je sais pas si c'est assez fort ou pas, et on va rajouter des détecteurs. Alors on va mettre un détecteur, oh, ok, on peut les mettre comme ça, génial. Hop. Alors je l'ai mis tout derrière, ouais, pour que ça active pas tout de suite. On fait la même chose là. Et donc je vais relier un seul des détecteurs aux deux robots. C'est un petit peu dommage, je peux pas relier les deux, vous voyez. Je peux pas faire en sorte que l'un ou l'autre l'active, ce qui est vraiment dommage. Mais on va voir déjà ce que ça va donner. Alors, on va lui mettre un petit obstacle. Voilà. Ouais, ça a l'air bon. Alors c'est au cas où il dérive un petit peu, parce qu'il va pas tout droit pour le moment. Éventuellement on va également faire en sorte qu'on puisse le faire tourner, hein. Donc j'ai des idées grâce aux conseils que vous m'avez donné. Et donc on est parti. Hop. Wow. Ok, donc là petit problème. Petit problème, les jetpacks peut-être déséquilibrent. Ok, peut-être que les jetpacks déséquilibrent. Alors on retente, on va mettre des jetpacks devant. Bah la même chose. Oups. Pour voir si c'est un problème de poids. Normalement ça devrait pas l'être, parce que ça m'étonnerait, vu qu'on a quelque chose qui est censé, à l'intérieur, un mécanisme qui est censé contrer. Alors je vais quand même hop, le choper au cas où on perd l'équilibre. On perd le robot. Ouais, ouais, ouais. Donc non, c'est pas une question d'équilibre. Donc on les retire. C'est bien ce que je me disais. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, la seule chose qui est différente, ce sont les capteurs. Peut-être parce qu'ils touchent le sol. On va les mettre. On va les mettre où? On va les mettre là. Ouais, ok. Ok, et on reconnecte. Et je pense qu'on est bon. Alors, on rechoppe au cas où on perd contrôle, on sait jamais. Alors, 1 et 2. Allez, voilà. Wow. Qu'est-ce qui se passe encore? Les capteurs toujours qui posent problème. Ou alors c'est autre chose. Mais il avance quand même, mais difficilement. Donc non, on va changer. Je pense que ça doit être à cause de la connexion. Oh là là, je vais y arriver. On va les poser là. Et là. Là, ça ne touche rien. En dehors de un bloc. Donc, ils n'ont pas intérêt à me faire la même histoire. Alors, je rechoppe. Ok. Voilà, là, on est bon. Alors, vas-y. Vas-y. Il arrive. Il arrive. Allez, allez. Ok, c'était pas terrible. Alors, on va refaire un essai. Hop, on va le mettre un peu plus haut. Donc il a réussi à passer, mais il l'a pas fait en stylé. Alors on va hop, reprendre ça. Ok, on perd son contrôle. Ouh. Ok, donc là il y a peut-être un petit souci. On recommence, on va le poser là. Alors j'ai dû mal les activer. Alors, 1 et 2. Voilà. Ok, je le chope au cas où. Alors, donc j'ai déplacé les capteurs. Je les ai mis là. J'ai augmenté la puissance des réacteurs également. Je vérifie qu'ils soient bien connectés. D'accord. Et on va essayer de voir. Est-ce qu'il peut passer des obstacles? Alors normalement ça devrait être bon, à moins qu'il y ait encore un petit quelque chose que j'aurais oublié. Alors c'est parti, je vais devoir le choper au cas où on perd contrôle. Là il avance toujours, c'est toujours bon. Vas-y, vas-y. Wouhou. Ok, il y va, c'est génial. Non, ok. Un petit souci, mais ouh. Il est parti. Alors, je me dis que du coup, on va peut-être essayer de faire des réacteurs qui se penchent un peu en arrière, juste pour se marrer. Alors, hop. Vers là. Même chose ici.
est là. On va poser un ordi, on va le mettre là, on met nos réacteurs. Alors. Hop. Hop. On reconnecte ça là. On augmente la puissance et on va leur donner l'ordre de se pencher de 15 degrés. Et celui-là, ok. Ah non, 15 degrés par défaut, il faut pas que je te donne l'ordre de le faire. Ok, testons. On va le mettre là. Non, je suis pas au centre, on va te mettre là. Alors, c'est parti. On croise les doigts. Hop, hop. Vas-y, robot. Ouh. Wow. Alors hop et hop, on est parti. Là je les ai bien activés, il avance tout seul. Alors je pense quand même que le fait qu'on ait des choses derrière le déséquilibre un petit peu. Alors vas-y, hop hop. Il a réussi et aucun problème. Il se repose et il continue. Alors je vais voir ce qui va se passer quand il va arriver en bas. On va le laisser arriver jusque là. Wow, wow, wow. Ok, ok, il est parti, ça y est. Il a pigé, il a été discret et hop, il est parti. Et il glide, regardez-le, est-ce qu'il va continuer? Il continue, il n'y a pas de problème. Ah, là il est sur le ventre. Ok, on va le ramener. Ah, elle est là. Et donc dans le prochain épisode, on va s'arrêter là parce que j'ai réussi plus ou moins mon idée et je ne veux pas trop la pousser parce qu'on va complètement détruire le système automatique et je vais faire en sorte que ça soit moi qui l'active quand je sois dans le véhicule, enfin dans le robot, dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, pardon. Donc je vous dis à bientôt dans le 8e et je pense que ça va être un très bon épisode. Merci à vous et à bientôt.